Salut à tous, c'est Mangalore, on se retrouve aujourd'hui sur Forza Horizon 3 pour le Forzaton. Forzaton pour gagner, ben, allô, y a quelqu'un là-dedans? Allô? Un Warthog. Warthog, je crois que j'en ai déjà, à mon avis, un dans le garage. Il y a de fortes chances. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même le gagner et on va pouvoir le revendre si j'ai besoin de crédit. Et vous savez que j'en ai besoin. Pour ça, il va falloir participer à 3 courses de rue. C'est le principe, 3 courses de rue avec une extrême off-road. Donc vous choisissez les véhicules. Voici un petit peu ce que j'ai déjà comme véhicule extrême off-road. Il faut en prendre un impérativement. Il faut faire 3 courses impérativement. Bon, pas obligé de les gagner, mais il faut les faire. Allez, on est tout de suite parti. Défi de la ville de Byron. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous avez envie de faire ce Forzaton. Un petit Warthog à gagner. Je fais d'ailleurs un petit coucou à Toriko, avec qui j'ai fait le Forzaton, mais je l'ai fait pas en vidéo, je l'ai fait en ligne. On l'a fait ensemble pour qu'il puisse gagner ce Warthog. Il pourra d'ailleurs me laisser dans les commentaires son avis après avoir fait quelques tours de circuit avec cette magnifique Warthog. Warthog du jeu Halo. Allo, il y a quelqu'un. Ouais, j'arrête de la faire, cette blague, elle est très con. Donc le but du jeu, comme dit tout simplement, course de rue. Donc voilà, bon, voilà, j'ai pris un véhicule qui n'est pas amélioré, qui est en classe A, il doit être en 777. Donc vraiment, vraiment, ça se traîne. Heureusement qu'il y a des virages et qu'on va pas prendre de grandes lignes droites. Parce que je serais vraiment, vraiment, très, très largement devancé. Le but du jeu, comme je vous l'ai dit, c'est simplement de terminer les 3 courses. Et de repartir avec la voiture dans le garage. Je vais vous passer quand même les courses. Vous n'avez pas forcément envie de la voir intégralement. Donc on va arriver, on va terminer cette première course de rue. Avec ce Local Motors. Voilà qui est fait. Première place. On attaque tout de suite la deuxième course, toujours avec la même bagnole. Vous pouvez changer, vous pouvez mixer, bien évidemment. C'est tout à fait possible pour pouvoir peut-être gagner la course, gagner peut-être un petit peu plus de crédit. Bon, en ce moment, je suis à la recherche de crédit. Il faut des crédits, j'ai encore quelques voitures à acheter, le garage n'est pas plein. Et bien évidemment, les voitures qui sont à acheter, ce sont celles qui coûtent 10 millions. Enfin, elles ne coûtent pas toutes 10 millions, mais il y en a une partie qui coûte quand même un paquet de thunes qui coûte 10 millions. Et il y a quelques Ferrari encore dans le lot. Et à ce propos, je souhaite organiser un rassemblement Ferrari. Ah bah ça y est, j'ai débloqué un petit succès. 20 prouesses d'aspiration. Voilà, 35 000 XP. C'est toujours bon à prendre. Donc ce que je vous propose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez mon gamer tag. Mangalore6767. Vous tapez ça sur votre Xbox et on a la possibilité de jouer ensemble. Je suis très très demandé. Donc ne m'en faut pas m'en vouloir, vraiment. Faut pas m'en vouloir si je vous accepte pas, parce que je fais pas mal de choses, je ne joue pas que à Forza Horizon 3, mais quand même pas mal. Et je vous propose donc de faire un rassemblement Ferrari. Donc j'invite Toriko, j'invite La Goutte d'eau, j'invite Monster Kill, Xenosting, Poissonné, Lord Moltus, j'en oublie peut-être pas mal d'autres, à venir me rejoindre. Je vous propose de faire ça. Allez, on va faire ça quand? On va faire ça le samedi 31. Samedi 31, 14h. Samedi 31, 14h. On se fait un rassemblement Ferrari. Vous venez avec vos plus belles Ferrari. Vous venez avec vos Ferrari toutes brillantes, magnifiques. On se retrouve et on se fait une vidéo tous ensemble. N'hésitez pas à venir, nombreux bien évidemment. Et allez, on va terminer cette deuxième course. Premier à nouveau. Voilà qui est fait. En plus, ce qui est sympa avec ces courses de rue, là, c'était bien évidemment des progressions. On n'est pas en train de tourner en rond sur un circuit.
On va terminer cette troisième et dernière course. À mon avis, ça va être chaud. Faut que je le récupère celui-là là-dedans. Mais comme dit, c'est pas bien grave. En plus, ça vous prouvera qu'on n'est pas obligé de gagner les courses. Voilà, il faut simplement y participer. On est bon, normalement, on est bon. On attend juste. Voilà ce qu'on attend. Le succès est déverrouillé. Trois courses de rue avec un véhicule extrême off-road. Surtout, 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 vous plantez pas. Il y a déjà plusieurs qui m'ont dit « Ah, j'ai pas réussi, t'as eu quoi comme bagnole ?»« Non, mais c'est pas la bonne bagnole !» Voilà, et là, on devrait récupérer notre Warthog. Ouh, on a un tirage au sort. Qu'est-ce que je vais encore gagner? 2000 crédits, je parie. Ouh, très très bon. Une Ford boost de prouesse de destruction. Mais écoutez, c'est génial. Allez, le Warthog, le Warthog, le Warthog. Voilà qui est fait. Tout de suite, on se rend dans le garage. Dans le garage, j'en ai trois. J'ai trois Warthog. J'ai trois Warthog qui sont même pas améliorés. Oh la vache. Allez, une petite dernière course. Pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Et on va... Eh ben... Eh oui, c'est Monster Kill. Monster Kill. Ton drive bata, pardon. Allez, on va essayer de te battre. Et on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a été utile. Je sais qu'il y en a au moins un qui est reparti avec le Warthog dans son garage. Pour les autres, si vous l'avez déjà, c'est pas grave. Prenez-le, vendez-le, récupérez le pognon. Améliorez des voitures ou achetez des voitures que vous n'avez pas encore. C'est toujours utile. Là, par contre, à mon avis, Monster Kill, il va gagner. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Il n'avance pas, ce Warthog. Il est à fond. Allez, super amortisseur, mais ça n'avance pas du tout. Bon, bah, j'ai perdu ce face-à-face. Allez, portez-vous bien, amusez-vous bien. A très bientôt, rendez-vous, comme dit, le 31, 14h, rassemblement Ferrari. Allez, à plus, ciao.